sounds can be space, 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 space. Messieurs et dames, et bienvenue sur la chaîne de Duc le Poupe. Où est-ce que j'ai mis ma manette? Voilà, c'est bon, je l'ai mise là. Bienvenue donc Gizrake sur la chaîne de Duc le Poupe, Duc le Poupe, Duc le Poupe, et on va essayer d'avancer dans Cave Story aujourd'hui. Incroyable, il nous faut un plan d'évasion. Il nous faut un plan d'évasion parce que on nous a piqué, non on nous a rien piqué, mais on est enfermé en prison, c'est compliqué. Ah oui, alors bon qu'il ne l'emmène, je l'ai vu glisser une lettre dans ta poche, donc la lettre on l'avait lu, hein. Rappelez-vous. Mais comment faire? C'était quoi, une lettre d'amour? Non. Non, gros porc. Ah, pourquoi ça s'est enlevé là maintenant? Tate, il y a deux secondes, on est d'accord que faites deux fois touche arrière sur la vidéo. Mec, il y avait encore un truc, hein. Bref. On peut s'échapper. Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'on est dans la... Ah, plantation. Là, c'est là où il y avait Ito. Pas du tout. Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'on est. Non, mauvaise idée. Où est-ce qu'on est? Moi, je sais toujours pas. Et j'ai toujours pas de vie, d'ailleurs. Aïe! Il n'y avait rien là ici pour se soigner, hein. Rassurez-moi, non il n'y avait rien. Et de toute façon les mimigas ont peur de moi. Mince. Ah, faut que je trouve la mer dessous. Moi je sais plus comment les gars. Ah, peut-être dans cette caverne là. Prison numéro 2, non. Tu es un robot tueur? Tu viens pour nous tuer? Non. Ça va, franchement ça va. Il y a autre chose à foutre. Il y avait un couple d'humains ici aussi, mais ça fait un moment que je les ai pas revus. Peut-être qu'ils se sont enfuis. Ah ah ah, attends. Destination inconnue. Se téléporter quand même? Oui. Dites-moi que ça m'amène chez maman Sakamoto. Prise. Merde! On est à Prairieville? Merde! Attends, est-ce que ça fait le voyage inverse? Oui, c'est possible. T'inquiète, c'est bon. Allez à la plantation. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça poussait pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça poussait pas? Évidemment, personne ne connaît... le reste des paroles de cette chanson, hein. Et c'est ça qui est drôle. Bon, au moins là, je suis buff. J'ai des vies. Donc ça va. Ouch! On va se mettre en quête. Quéquette. De maman Sakamoto. Ouais, ce take damage to save time. Ah, c'est là. Mauvais de passe. Irato Gonom, Ostokuad. Le nom du jeu. Ah bah effectivement elle ressemble un petit peu à Kazuma. Tu es le sauveur dont Sou m'a parlé? Oh Dieu merci. Je suis Momorin Sakamoto. Sou est ma fille. Je travaillais aux côtés du docteur. Mais quand il a trouvé les graines, je n'ai plus d'utilité pour lui. Alors il a tenté de me jeter hors de l'île. La galanterie n'est plus de ce monde, vraiment. Mais je suis mieux ici qu'ailleurs. En ce moment, je travaille sur une fusée qui permettrait d'atteindre le trône du docteur. Mais il me manque encore des pièces. Me dis pas qu'il faut du jus de méduse, sinon je hurle. Et les viewers n'ont pas envie que je hurle. Haha, puis-je t'emprunter ceci? J'ai encore besoin de d'autres pièces pour finir la fusée. T'es occupé, là? Oh, très bien. Tu
tu es bien un sauveur. Tiens, mets ça sur toi. Le masque Mimiga. Donc les Mimiga vont pouvoir me parler maintenant. Charmant, vraiment mignon. Un peu gros, mais les Mimiga qui travaillent au champ n'ont pas le droit de parler aux humains. Avec ce masque, tu pourras leur parler. Tu comprends le truc? Pour finir la fusée, j'ai besoin d'électricité. Si tu peux amener un de ces arroseurs utilisés ici, ça pourrait sûrement faire l'affaire. Peux-tu me ramener un arroseur? Bah... sûrement. Voilà, on a déverrouillé le point de sauvegarde et les PV. Du niveau. Parfait. Par contre, on n'a plus le booster et ça, c'est la tristesse, ma gueule. Alors, je sais plus du tout du coup où je dois aller. Les gens de la surface préparent une attaque contre nous, alors on fait pousser des fleurs rouges. Si le docteur dit vrai, ces fleurs doivent vite fleurir, sinon... Bah, ils sont manipulés, les pauvres. Avec ces fleurs rouges dans notre camp, les robots tueurs ne feront pas le poids. Fleurissez, beauté écarlate. Ça crache de l'eau à une bonne pression. Mais oui, mais je vais le prendre, moi. Longue vie au docteur. Il doit bien en avoir un qu'on peut prendre. Ah, c'est vrai que j'ai pas le booster. Pas facile de s'en mettre dans l'esprit. Ah, attends, là, il y a des arroseurs, là. Attends, j'arrive. Ce sont des arroseurs qui se cassent tout le temps, tu vois. Alors, on en a toujours un tas de nouveaux prêts à l'emploi. Mais je peux en prendre un ou pas? Ce sont des arroseurs. Mais oui, d'accord, mais je veux en prendre un. Ah, je peux pas les prendre. Ça, c'est chiant. Bon, il doit sûrement y avoir un moyen. Je suis si fatigué. Luc. Je ne crois pas un mot de ce que dit ce docteur. Des robots, yeah. Comme dit, ça me faisait peur. C'est vrai que les robots de la surface ont su qu'ils s'attirent dans le pocher. Je sais que nombre d'entre nous s'en sont morts. Malgré leur corps de métal, je crois que dans le fond, ils avaient aussi les âmes. Ah, ok. Ça reste à prouver avec le test de Turing. Alors, quand t'as pas de booster, c'est pas la même niveau plateforme. Yeah! Non. Yeah! Ouais, c'est bon. Retourne bosser, feignasse. Oh, je t'emmerde. Ah, il est cassé celui-là. C'est pas en marche. Oro, tu es nouveau toi. Et j'imagine que tu es encore confus avec ce qui t'est arrivé. Souviens-toi d'une chose, pas d'entourloupe. Si tu t'enfuis et que tu te fais choper, ils te jetteront en prison. Si tu restes près des fleurs, tu seras tranquille et tu auras à manger. D'accord, moi je veux un water sprinkler. Non, encore cassé. Allez toi, t'es nouveau non? Prends cet arroseur cassé et ramène-moi un œuf. Ouais. C'est bon, j'ai trouvé la solution de l'énigme, c'était trop dur! Oui, d'accord. Oui. Mais j'en ai... En fait, j'en ai un à te donner, mon gars. Et si... Oh! J'ai oublié de le prendre. Pourquoi je m'obstine à prendre l'XP alors que j'ai pas besoin avec cette arme? Duke Nuke Poop trivialise un saut. Ah bordel! Mais c'est pas compliqué en plus, voilà! Ah ouais, c'est celui-là. Mon dieu! Encore un, donné arroseur cassé. Vas-y mollo avec celui-là. Bon, maintenant qu'on a l'arroseur, on va pouvoir le donner à maman, soit comme auto.
Il n'avait rien fait, mais je sais pas, je vais passer gueule. Allez. Hop, 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 hop. Bon, elle passe. Et rato gonamus tu quad. Je le dis beaucoup trop facilement. Te revoilà, tu lui montres l'arroseur. Et non pas, tu lui montres ton arroseur. Ah non, l'électrique, pardon, excusez-moi, elle est dans mon sac. Voyons, batterie pleine. Mais qu'est-ce que t'en sais? S'il faut, hier soir, hein, t'as devoir le faire. Ah bah si tu veux, moi je suis open. Hein. Ensuite, je voudrais que tu me retrouves un homme nommé Ito. Mais non, on avait dit que c'était moi. C'est un ingénieur de grand talent, comme il le dit. Mais c'est aussi le mec le plus timide que j'ai jamais vu. Il s'est enfui du doc, lui aussi, et il ne doit pas être loin. Ouais, t'inquiète, je sais où il est, Ito. Je te ramène ça dans 2 minutes, ma poule. Ne dis pas à Sou tout ce qu'on s'est dit. Je pense qu'elle le comprendrait pas. Allez, viens ici, Ito. Ito? Bah oui, c'est moi. Comment? Sakamoto travaille sur une fusée? Alors elle vit toujours. Elle est très courageuse. Rien à voir avec moi, quoi. Très bien, alors. Prends ceci. Ouais, en fait, du coup, comme je savais pas qu'on allait le revoir, j'ai pas retenu sa voix, donc du coup, il a une voix lambda. Je crois que c'est ce qu'elle recherche. Envoie mes amitiés à Madame Sakamoto. Je lui ai envoyé plus que ça, mon pote. Oh, dans le vent! Je les ai mis tellement dans le vent! Play of the game! Oui, non, mais c'est bon, ça va, oh là là! T'es parano, Miss Sakamoto, hein? Te revoilà. Tu as trouvé Ito? Donnez contrôleur. C'est parfait. C'est le contrôleur dont elle est si fière. L'analyse serait plus facile s'il était là, mais bon, j'y arriverai. Merci beaucoup. J'aurai fini dans un moment. Profites-en pour te reposer en bas. Est-ce que tu me rejoins? Non, évidemment, elle veut pas de mon arroseur. Tant pis. Tu te réveilles après un long sommeil. Moi, elle s'est fait la malle avec mon booster, cette connasse! Enle-moi! Tu t'es bien reposé? La fusée est finie. Tu vas pouvoir faire la peau, docteur. J'ai confiance en toi. Prends ça avec toi. Voilà, on vient de rendre mon booster. Et là, on est prêt pour le endgame, il n'y a rien, les gars. Hein. Tu n'as plus besoin de ça maintenant. Masque de Mika, pris. Directement au-dessus se trouve un chemin qui mène au docteur. Tu devrais pouvoir l'atteindre en utilisant la fusée. Les Migas sont partis de la plantation. En d'autres termes, ils essaient peut-être de se servir des fleurs rouges. Vas-y, grimpe sur la fusée et va à la salle du trône. Vite! Ah, attends. Déjà, ce qui va se passer, c'est que moi, j'ai envie d'aller checker le téléporteur. Enfin, pas que, mais... Ah, j'ai bien fait de fouiner un petit peu, hein. La capsule de vie, je pense qu'elle sera pas trop contre le vrai boss de fin. Même contre le boss de fin tout court. Y'a quoi en dessous de moi? Ah mince! J'étais sur les trucs cool, bon tant pis, c'est pas grave. Est-ce que la salle du téléporteur fonctionne? Ou c'est de la banane? Si c'est juste de la banane pour se faire jeter en prison. Oh là, oh là, oh là! Je les avais tellement mis dans le vent. Hey tout. Allez, vraiment bonne cette bande son. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais elle est vraiment excellente. En plus, là, le jeu va commencer à devenir franchement vénère. Oui, c'est bon, le téléporteur il marche. Retourne chez Arthur? Non, ok, mais on peut, voilà. On sait qu'on en a la possibilité. Ouais, bah écoute, fusée, hein. Fusée slash expo, explo, pardon.
Parce que c'est pas non plus un chemin tout droit vers le docteur et... Je crois qu'il y a pas mal de trucs à voir. Donc on va se faire ça. Ticalitadouta, ticalitadouta, ticalitadouta... non, c'est par là, ouais. Le mec, il rend fou la libellule. Eh non, excuse-moi, c'est par là, attends. On va voir Curly quand même. Boing. Qui es-tu? Non, elle se souvient toujours pas de moi. Elle dit qu'elle se rappelle plus qui elle est. Elle a été jetée aux ordures, je suppose. Maintenant que tu le dis, il y a une sorte de champignon, il paraît qu'il rend la mémoire quand on le mange. Ça marcherait sur elle, tu crois? Ah oui, d'accord. Alors, j'ai vraiment pas envie de vous faire perdre votre temps, les gars. Mais je crois que c'est village Miga, donc on va retourner au téléporteur. Voilà. On commence à avoir le truc avec le booster. Hein. J'espère vraiment que je vous fais pas perdre votre temps et que le dialogue va vraiment se lancer avec le... Tu dis quoi? François avec toi et félicite-t-il? J'attends qu'on gère. Ok, d'accord. Ouais. Normalement, il parle du champignon du cimetière, celui qui nous avait dit genre non, t'as pas d'affaire avec moi, casse-toi. Enfin, il manque un PV, j'ai pas besoin non plus de... Voilà. On doit reprendre mes PV tout de suite. Allez. J'adore la musique du cimetière. Elle est vraiment trop trop cool. Allez. On a des affaires à régler ensemble. Amnésie, ça craint. Tu veux que je te donne le badge champignon? Ouais, carrément. Mais en réalité, tu ne le veux pas vraiment, hein. Si. Vraiment? Bon. Tu veux que je te donne le badge champignon? Oui. Mais en réalité, tu ne le veux pas vraiment. Tu le veux tant que ça? Tu es absolument et positivement sûr que tu le veux? Mais tu ne le veux pas, n'est-ce pas? Très bien, le voici. Obtenu badge champignon. Y a pas de boss fight? C'est juste lui. Je crois qu'il y avait un boss fight. Bzz. Ok. Non, mais d'accord. Très bien. Cette musique là aussi est très très cool. Donc on va pouvoir rendre la mémoire à notre ami Curly Brace. Et je rappelle, on a besoin de Curly Brace en bonne et due forme pour la fin du jeu. C'est très important. Je déconne pas les amis. Sinon on a la fin tronquée. Allez, la plantation. Voilà comment on passe tranquillement les gun fishes. Les gun and fishes. Ok, d'accord. Oui, mais c'est bon. Ah, tu me l'as déjà dit. Arrête. Oh. Tais-toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Oui, bah j'ai le badge champignon. Comment je... Attendez, comment je prépare ça? Mushroom. Putain de manette. Dégage du milieu. Mushroom. Ah, mushroom badge, oui.
Oui, ok. C'est ma pignon. D'accord. D'accord. Ah oui, ok. D'accord. Donc c'est bien ce qui me semblait en fait à la base. C'est que c'est un boss fight. Ma pignon, c'est un boss fight. T'as le jeu qui est quand même putain de cryptique sa mère. Donc là, on va l'examiner. Obtenu grâce à un champignon, aucune réelle utilité. Non, honnêtement, tu n'en as pas besoin. Ok. Donc là, tu vas dire, tu m'as menti, petite conne. T'as pigé le truc, hein. Moi, je n'ai rien de plus qu'un badge, idiot. Comment? Donc tu veux m'attraper? Sache que je suis un champignon de très grande valeur, pas comme les autres dans les cavernes. Grrr, je ne te laisserai pas me manger comme ça. Crève. Oui, vas-y. Eh, hey, enfoiré! Ça marche ta technique en plus. Alors, je vais pas perdre contre ma pignon, hein. Hors de question. Arrête d'esquiver mes attaques. Et arrête de tirer dans le vent, toi aussi quoi, t'es abdominal, genre. Voilà, dégage. Enfin, j'ai réussi à lui mettre une décharge, quoi. Ah, t'as gagné, je me rends. Et maintenant qu'on a un pignon, tout va bien aller. Madame le champignon important, s'il te plaît. Pff, quelle blague. Non, parce que ça a marché, sa connerie du bas de champignon. Hein. J'ai foncé. Tout droit. Ouais, vas-y, mange ça. C'est un badge en fait. Qu'est-ce que je suis, moi, je connais. C'est pour les champignons, c'est un cabot de carton en forme du champignon. C'est nul. Ah, après, j'imagine que c'est la réaction que le jeu veut que tu aies. Mais ça reste cryptique, quoi. Là, j'ai vachement moins géré que la dernière fois, mais bon. C'est pas grave. C'est pas beaucoup plus long non plus, quoi. Utilisez maman pignon. Oui, s'il vous plaît. Tu le fais avaler à Curly. Je ne ferai aucune remarque. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, j'ai rien dit. Rien du tout. 5 petits points. Quote. Je me souviens, tu t'appelles Quote. Toi et moi. J'ai rien dit. Vous pouvez penser ce que vous voulez. J'ai juste créé un silence évocateur. Ok. Il y avait avant un tas de robots envoyés sur cette île et venant de différents pays de la surface. Leur cible était l'immense pouvoir gardé sur cette île, la couronne du démon. Et toi et moi, on est différents. On a été envoyés avec l'ordre de détruire ce pouvoir. Quand on a arrivé, l'île était dans un sale état. Les robots l'avaient anéanti. Et de nombreux mimigas ont été tués. C'était horrible. Finalement, un homme a eu la couronne du démon en sa possession. Le travail des robots était fini et l'île fut oubliée. Mais ce n'était que le début de la tragédie. Avec la couronne en main, l'homme a changé les mimigas en tueurs et a lancé son assaut sur la Terre. J'ai essayé de l'arrêter. Tu étais là aussi. C'est tout ce dont je me souviens. Je suis sûr qu'on était capable de le vaincre, mais qu'on était loin de notre équipe. Tu t'en souviens? Je vais bien, merci. T'en fais pas pour moi. Oh, tiens, prends ça avec toi.
Ah, on a le Iron Bond. Comment ? Sa mémoire est revenue ? Je préférais avant. Quoi ? Ça veut dire quoi, ça, espèce de salaud ? Qu'est-ce que... C'est dégueulasse. Silence évocateur, les gars. Ouais, c'est la fin de la vidéo. Non, ça fait déjà 25 minutes. Et moi, faut que j'aille me boire un truc, les gars, et manger un bout parce que je suis crevé, sa mère. Bref, fin de la vidéo. Scène de fin. Ciao, ciao, les gars. Non, pas celle-là. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de lâcher un like ou un commentaire, voire de t'abonner.